Je ne sais pas si tu as déjà observé ça. Le nombre de fois que dans notre société, on dit j'ai peur de pas être à l'heure, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur que mon chien se barre en courant derrière un chevreuil, j'ai peur de la forêt, j'ai peur de. On dit ça tout le temps. Et chaque fois qu'on dit ça, on active des énergies de peur, des égrégores de peur qui sont très importants. Et soyons clairs, vu ce qui se passe dans le contexte mondial aujourd'hui, il y a quelques raisons d'avoir peur qui sont légitimes. Il n'empêche que chaque fois qu'on active la peur avec ces mots, on va activer ces énergies qui vont nous toucher en retour chacun. Et ces peurs qui sont activées de plus en plus, elles risquent d'être bloquantes pour nous. Parmi les nombreuses choses que m'ont appris mes amis amérindiens lorsque je vivais en forêt amazonienne, milieu objectivement dangereux et où il y a des raisons objectives à leur peur, et où pourtant ils vivent en toute sérénité, il y a de faire attention aux mots qu'on utilise pour pas activer, pour pas grandir la peur. Mais au contraire, on peut remplacer ces mots « j'ai peur d'eux » par d'autres mots qui sont plus apaisants, qui donnent plus de sérénité, et qui du coup permettent aux peurs de rester à leur juste place, celle d'avertisseur, mais pas celle qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont apprises pour apprivoiser mes peurs, en faire des leviers et non plus des bloqueurs. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi des méditations, des explications sur les origines de la peur, des rituels amérindiens précieux et méconnus qui peuvent te permettre vraiment d'intimer à tes peurs l'ordre de te ficher un peu la paix, de te prévenir quand il y a un danger, qui est leur job, point. Tout ça, c'est dans une formation qui s'appelle « Comment apprivoiser ses peurs » qui est à prix tout doux jusqu'à la fin de cette semaine. Je te mets toutes les infos pour en bénéficier dans la description de cette vidéo.